de disponible à 3. Increase the size of the bill. Ok, puis il faut que j'augmente les baraques si je veux augmenter le 16 de mon équipe qui est en ce moment 9. Je pense que pour commencer, j'aime mieux avoir 4 personnages qui vont spawner au départ. Puis si je ramasse 2 deeds, là, je pourrais upgrader la baraque. Ok. Ah, c'est bien fait. Ok. Donc là, je me... Ah, ok. Ah, ok, ils sont tous barricadés. Bon, faut que je fasse des quests pour débloquer les bâtiments. Puis ça, on sait pas trop c'est quoi. Donc pour aller faire une quest, j'imagine... Oh, embark. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Ok. Estate map skirmish. Meet them in battle and learn how to fight. Squeeze the nut and vault camping. Ah, c'est ce qu'il parlait tantôt de camping. C'est une quest short de niveau 1. Ça, c'est quoi ça? C'est ce que ça me prend pour aller là ou c'est ce que ça va me donner? Rewards. Ok, c'est ce que ça va, me donner. Ça va me donner 3000 gold, 2 busts puis 2 crests. C'est juste de valeur parce que c'est des deeds que j'aurais besoin là, pour upgrader mes affaires. Bon, comment je fais pour aller là? Ok, d'après moi... Ouais, ça fait du sens. Click on available quest to inspect them. Click on heroes or drag them into the party slots. Ok. Fait qu'on va... J'en ai un qui s'appelle Bon Enfant puis l'autre Fiton. Bon enfant, j'aime bien ça. Fiton, c'est un peu... Attends. On a des followers, on va se servir de vos noms, les copains. Vous allez probablement mourir dans d'affreuses souffrances, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Lui serait mieux en troisième position. Puis lui en deuxième ou en troisième. En quatrième ou en troisième. Bon, fait qu'on va juste splitter comme ça. Provision. The cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. Ah, ok, faut que j'aille magasiner avant de partir en mission. Ça fait du sens. Pour ta première quest rapide, tu devrais amener au moins 8 de nourriture puis 4 de torches. Ils disent au moins. Ça veut dire on va en mettre plus que ça. Ouais. Ok. On va emmener un petit peu plus qu'un petit peu moins. On va emmener une pelle. Un petit venin. On va emmener une affaire de chaque, mettons. Ça coûte pas trop cher, anyway. Ah, ok, il y a des maximums. Ok, embark. Aussi, à 3 heures, pour ceux qui m'écoutent live,
Donc aujourd'hui, on est le 4 février. N'oubliez pas qu'il y a un live stream de notre ami de XTCG, Corey, qui va nous montrer la partie arena du jeu. Ça risque d'être assez intéressant. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Tu vois, juste en partant, là, ils partent tous à 10 de stress, sauf lui que j'avais réussi à réduire son stress. Mais ils partent tous relativement peu stressés. Ça risque de changer, par exemple. Ok. Donc là, on va aller jusqu'à cette chambre-là. Là, on a 100 de light. Vous allez voir que plus on va avancer, plus le light va réduire. Puis c'est là que ça devient dangereux. Hein, j'aurais peut-être été mieux de faire des recherches avec lui. Hein. Il doit être meilleur dans... Quoi qu'il n'y a pas de l'air d'avoir de skill pour ça. Ok, note à moi-même, par exemple, vérifier qui fait quoi. Ok, lui il a eu peur, pourquoi là? Parce qu'on avance. Oh! Des maggots. Ok. Ok, il peut. Oh, excusez. Il peut. Ok, puis ça c'est intéressant. À chaque fois qu'on va avoir des nouveaux personnages, ils vont avoir des actions qui vont être différentes. Donc d'une game à l'autre, les actions vont être complètement différentes. Ça c'est intéressant par exemple. On peut donner 15 dommages de plus à quelqu'un. Light. Oh! Ok, ils peuvent pas être stunnés, ils peuvent pas être blightés. Bleed debuff, ça marche pas fort. Ok, fait que c'est comme un peu inutile. Ok. On va donner des dégâts à lui. Ok, lui va faire des dégâts n'importe qui. Puis il va se guérir de 3. Mais là, il... Range. Stand by, ça sert à rien. Divine Grace. Ok, lui va guérir de 3 à 5 points de vie une personne qui est en 3e ou 4e position. Ok. Fait qu'on va y aller avec un Dazing Light. Non. Ah ouais, on peut augmenter la torche. Tiens. Les Englands. Ça, c'est un élément à penser quand même. Faire augmenter ça sans avoir besoin d'utiliser nos torches. Ok, lui par exemple, il a les mêmes habiletés parce que c'est notre personnage de départ. Donc là, on va très certainement se servir du Rape Shot. Il a fait la job que je pensais. Stun, pas vraiment. Self. Bang. Vas-y. Donc lui, il a plus de stress. Un stress de 6, stress de 16 pour notre ami ici. Ok. Premier combat bien été. Lui, il commence à être stressé déjà, ça va bien. Altar of Light, a small holy. Altar seemed out of place against the backdrop of corruption. Ok. Si je paye sur lui.
Plus 20 de... J'aurais dû le mettre à lui. Ok. Pas grave. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous pensez du jeu à date. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et plus j'en découvre sur le jeu, plus je trouve ça intéressant. Ok, stun, blight, bleed, debuff. Ok, ils ont 25% de résistance, sauf lui qui a 50% de résistance au stun. Là, ils sont comme surpris, je pense. Ok. Valnek. J'ai pas d'attaque qui font des dégâts à plus. Oh well. Blight. Bleed. Pas mal la même affaire. On va essayer de le faire saigner. Yes. Sur 24, ce serait de l'overkill. Augmenter la torche. Oh oui, monsieur. Grave shot. Lui, il a pas été touché parce que lui, il a bloqué. Pas vraiment possible. ...4 à 8 points de dégâts. 6 à 13. Ah, je t'ai payé. Voyez, ça c'était un mauvais call. C'est le premier qui faisait plus de dégâts. Salut Valnek. Ok. Bleed. Again. Yes. Bleed a marché. Grave shot. On va toucher 2 normalement. Oh, il a fait un maximum de dégâts. Puis lui, il tire sur tout, mais dodge. Bon, on va continuer avec ça, ça a l'air de bien aller. Et ça remonte la lumière. Ouais! Ok, là, ça va commencer à être drôle. 4 à 8 de dégâts. Yes it is. Round 3. C'est lui qui attaque en premier. Oh! Oh! Dodge! Yeah, yeah. Débarrasser du premier. Give them no quarter. Ça leur réduit son stress. Excellent. Là, je pourrais y aller avec lui, par exemple. Yes, it is. Ça va le guérir de 3. Là, on pourrait essayer de le stunner. Ou de le tuer. A trifling victory. Donc 650 gold. But a victory nonetheless. Une Jed. Et 2 deed, yeah. C'est ce qu'on avait besoin. Et là, cette fois-là, on n'oubliera pas le coffre. On va y aller avec